Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous le voyez à l'écran, nous sommes sur Secrets of Grindea en version démo et comme vous le voyez d'ailleurs, eh bien ce n'est actuellement qu'en anglais même si dans les options, quand j'ai lancé le jeu, eh bien j'avais une petite pop-up m'indiquant qu'il y avait des trads faits par la communauté et qu'une trad française devrait être dispo mais j'ai pas trop regardé parce que là c'est que la version démo, c'est pas la version du jeu complet. Donc ce jeu c'est de l'action RPG en 2D avec eh bien, de la coopération possible en ligne. Ce jeu est toujours en early access, il est en early access depuis le 13 juillet 2015. Alors là on pourrait se dire ah, attention, une early access qui dure depuis 5 ans, mais il y a toujours des mises à jour, il y a toujours un suivi, le jeu est toujours en développement et à mon avis c'est fait par une très petite équipe, ce qui explique le temps que ça prend. Mais au final, si le jeu est toujours suivi et si le jeu suit son cours, eh bien ce n'est pas un mal qu'il reste en early access et qu'il prenne le temps de bien être peaufiné. Il a de très bonnes reviews d'ailleurs. Il est dispo en démo, déjà si vous voulez le tester, hein, il y a la démo gratuite dispo sur Steam, et il est dispo sinon pour un petit peu moins de 14 euros si vous voulez l'acheter. Donc voilà un petit peu pour le tour d'horizon, on va regarder ce qu'il en est. Donc il y a un story mode et il y a un arcade mode. On va partir sur l'arcade, je pense. Story mode, je vous laisserai découvrir ça si vous faites le jeu complet. Alors on va se faire du coup un single player, choisir un héros, oui. Alors on le rend de mise un peu. On va chercher. On va bien s'arrêter un moment. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. On va se faire des cheveux un peu comme ça. Hair color, on va se mettre noir. Skin color, hop. Ça c'est quoi? C'est mon écharpe. Voilà, histoire de me reconnaître. Le sweat noir. Le pantalon noir. Tout à fait. Start. Enter name. Nashara. Voilà. Alors je joue à la manette. Il est compatible manette. Complet. Et là je joue à la manette. Donc on commence dans ce qui a l'air d'être un hub. Parce que là je vois un petit chaudron. J'imagine que par là-haut, ça va être la suite. Là, j'ai des trucs. Là, j'ai des panneaux AFK. D'accord. Ça va être pour débloquer. Comment je. Le puits. Donc, on peut débloquer le puits, mais il me faut 20 000 gold. Ok. Ici, j'ai l'alchimiste. D'accord. Donc, je pourrais débloquer l'alchimiste. Là, il y a le pont qu'on pourra sûrement réparer. Là, on a quoi? Notre maison, d'accord, qu'il va falloir acheter. Bref, on a pas mal de choses à débloquer. Ça, c'est très roguelite en fait. Il va falloir faire des runs, ramener a priori de l'argent pour améliorer. On voit qu'on a des golds, de l'essence, des perks en bas. Pour l'instant, j'ai rien. Des traits ou malédictions, une quête. En haut, j'ai 4 slots. Ça doit correspondre à mes boutons. Parce que quand j'appuie sur A, qui est le bouton d'en bas, ça me met le bouclier. Quand j'appuie sur X, qui est le bouton de gauche, j'ai bien du coup les coups d'épée. Donc les deux autres doivent être liés aux deux autres cases. Avec LT et RT, j'ai l'impression que je peux switcher, ce qui fait quand même du coup pas mal de raccourcis. Ma vie, mon énergie, mon XP, un score. Ok, on a un menu. On a un menu. Caractère, Nashara. D'accord. Là, on a quoi? C'est toutes mes stats. En haut, on a quoi? Mon équipement. Ah, armure, chapeau, accessoires, weapon, style. Ah donc on peut en plus mettre du style, les quick slots on avait compris. Tous les items, d'accord. Là tous les items de... Ah crafting, ah équipement, inventaire, crafting, donc il y a pas mal de craft. D'accord, les skills. Donc skill de mêlée, ok. Skill de magie, fire, ice, terre, air, utilitaire, offensif, défensif, talent général, talent de mêlée, talent de magie. Ok, il y a l'air d'y avoir quand même quelques choix. Alors là, ça doit être du coup la world map, d'accord. Bon bah écoutez, ça a l'air bien complet quand même. Alors c'est ça, étage 1. Donc c'est bien le donjon. On va faire attention. Ah, j'ai un arc. Oula. Ça c'était très mal visé. Ok, il est automatiquement équipé parce que j'avais moins bien. Enfin, j'avais rien surtout.
Ok, jusque là ça passe. Alors là je choisis gauche ou droite. Sur la minimap ça a l'air d'être un... Il y a quelque chose là-dedans. Ça a l'air d'être un coffre au-dessus. Trésor. Une épée. Presse RB. Voilà, je l'ai équipée. J'aurai une meilleure épée. Alors, des petits monstres. Mourez. Je récupère des flèches, je récupère un peu d'argent. Ah, j'ai des scores en fonction du temps que je mets pour... Ah, j'ai level up, ouais. J'ai level up. Comment je fais level up? Level up. J'ai des... Je sais pas ce que c'est comme point. J'ai un point bleu et un point jaune. Ça veut dire quoi? Je mets lesquels où? Je sais pas si par exemple moi je veux apprendre la magie. J'aime bien la magie de glace. Les Ice Peak. Ou le Ice Nova peut-être. Je peux apprendre. Upgrade. Un Silver Point. D'accord. Refund, équipe skill, mort info, upgrade, silver point, équipe skill. Ok, il est équipé. Et l'autre, le violet, il sert à quoi? Ici, les talents. Increase magic. Je sais pas. Peu importe, battle mage. Après avoir fait un sort, utiliser un skill de mêlée coûte moins. Ah oui, c'est pour faire un switch entre les deux. Alors, j'aime bien l'idée du Battle Mage. D'accord, c'était ça. Et du coup, le point jaune, on sait pas à quoi il sert. En haut, il me dit une grosse tête de mort. Donc, je vais aller voir ici, il y a un point d'interrogation. Donc là, j'ai gagné un shield. Ok. Un boss. Voilà. Hop, on va faire ça. Hop. On va peut-être se mettre en parade. Voilà, parfait. J'ai pas de shield. Ok, ça c'est rien. Ouf. Bim, aïe. Et voilà. Et j'ai équipé une armure. Bon, toi t'es capoute. Je veux te parler ou non? Non, d'accord. L'étage est clean. Ouf, j'étais nul. Je suis à l'étage 2. Hein? Une abeille et moi. L'abeille m'attaque. Si je pars quand l'abeille m'attaque, l'abeille est stun. Je vais essayer le... Peut-être essayer en ne laissant qu'un seul ennemi. J'ai pas réussi. Je veux voir est-ce qu'il y a une parade en fait. D'accord, oui, il y a une sorte de parade. D'accord. Aïe. Ah, vas-y, je suis mort. Donc j'ai gagné des sous. Lui. Qu'est-ce que tu veux? Ok, new quest. Alors, le charpentier. D'accord, c'est une quête de chasse. Et c'est quoi? Je dois faire quoi? D'accord, je dois juste tuer des monstres. Ah, completion, il y a une jauge de qui se remplit. Ok, je suis reparti. Mais pourquoi j'ai pas mon skill d'équiper? Parce que j'ai pas mon skill? Ah! Est-ce que ça veut dire que... Que mes level up ne dépendent que de mon run? Et j'ai pas d'équipement non plus. Tout mon équipement a disparu. Pourquoi? C'est parce que je suis mort? On va voir.
là j'ai été bon, en bas j'ai un coffre. Là j'ai récupéré donc mon épée de tout à l'heure. Voilà. Faut que je fasse attention, j'aimerais essayer de garder un peu de vie. Là j'ai level up. Quick level up. RB. Non. Ah. Ah, ça me repropose que j'avais déjà pris. D'accord. Donc en fait, il y a moyen de se faire un build. Si on aime bien ce build, on peut re-level up très rapidement. Par exemple, je sais pas, on va essayer autre chose. On va essayer les Ice Peak. Voilà. Et en Magic, on va essayer. Ou en mêlée, on va plutôt prendre augmentation. Voilà. On va essayer ça. Ah oui, c'est plutôt courte portée. Ah oui, d'accord. Ça. Aïe. J'ai compris. Et là, je bourre. Et là, je peux t'achever avec un sort. Hop là. Et là, hop, j'ai équipé un bâton. Oh, le bâton peut attaquer à distance et je régène mon énergie. Ah là, j'ai une meilleure note que tout à l'heure. Donc là, on me réexplique ce que j'avais vu. On a vu, les étages changent un peu. Pas évident de viser que ce sort. Ah, je suis obligé de les assommer. Ah oui. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris ce qu'il m'expliquait. Ok, je suis obligé de les assommer. Allez, meurs. Ah mais tout à l'heure j'ai réussi. Ah d'accord, je peux le geler éventuellement. Je dois faire quoi? Ah, je dois les ramener. Ah d'accord, je dois les ramener dans... Ah oui, j'ai 10 secondes pour les ramener. Ah mais non, retourne-y. Ah, retourne dedans. Non, tu poules. Bon, j'ai raté l'event, d'accord, tant pis. Je dois tuer 50 ennemis, c'est ma quête. Ah, je vais bientôt mourir. Et voilà, je suis mort. Donc je suis remort. Et du coup, j'ai tout reperdu, mais j'ai gagné un peu d'argent. Donc je peux faire quoi avec 2000? Je peux acheter le puits? 20 000. Ah. D'accord. Je suis pauvre, pauvre. Ah oui, je suis vraiment pauvre et nul. 25 000. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça sert à quoi? Ça sert à rien pour l'instant. Ok, donc pour l'instant je suis trop pauvre et trop nul, il faut que je continue. Après j'avais peut-être des soins, parce que je ramassais des trucs à manger, ça se trouve j'avais des soins. Et tout bêtement je les ai pas utilisés. C'est possible hein. Bon en tout cas, par contre je suis niveau 3. À gauche, là, j'ai un petit 3 à côté de mon nom. Ça veut dire quoi? No pet, pet menu. Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire, ce 3. Est-ce que ça veut dire que ça fait 3 fois que je rate totalement? Que c'est mon troisième run? Que mon personnage a été niveau 3? Je sais pas. Caractère, equipment, d'accord. Bon, je sais pas. Rang. Ben ça je sais pas du tout.
Bon, en tout cas, on a fait un petit tour de ce que propose le jeu. Alors là, bien évidemment, on est dans le début, mais je pense qu'on a vu un petit peu le principe du gameplay. On explore des donjons, on ramène de l'argent, on améliore la ville pour explorer sûrement d'autres choses. Et en tout cas, c'est pas mal, hein, ça donne envie. D'ailleurs, j'ai très envie de savoir ce qu'il y a de l'autre côté de ce pont, mais à mon avis, il va falloir que j'avance les quêtes, notamment la quête du charpentier, ce qui me semblerait assez logique. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu, si jamais vous l'avez testé. N'hésitez pas à faire un petit retour. Si vous avez apprécié ma découverte, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le partage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.